Les gens sont de plus en plus cons, je te jure. Hein. Moi, je refuse d'aller voter avec des gens qui pensent que la Terre est plate. C'est pas des conneries. Et c'est pas ailleurs, c'est en France. Est-ce que dans la salle, il y a des platistes? Non, on va rien vous faire. Mais mourrez. Franchement, il faut mourir. Je refuse d'aller voter avec des personnes qui pensent que Michael Jackson et Tupac ne sont pas morts, mais cachés par le FBI sur une île déserte avec Elvis Presley et Casimir. Les personnes qui font confession intime, les ch'tis à Mykonos, les personnes qui disent « ils croivent ». Si j'aurais su, au jour d'aujourd'hui, c'est la mère à qui ? Arrêt au port ! Je refuse de voter avec ces gens-là, ok ? Le vote doit être beaucoup plus drastique, ok ? Moi, je propose qu'on mette, sous chaque urne, on mette une trappe. T'arrives, petit questionnaire, tu rates, la trappe s'ouvre, tu glisses, tu disparais, voilà. Ta famille va te chercher, elle va à la police. Mon mari a disparu, il n'est jamais revenu. Comment était-il habillé, madame? Ben, il avait une banane déjà. Avec marqué dessus, c'est qui va à la plage? Et il avait un t-shirt blanc avec en bas plein d'immigrés. Au-dessus, un dragon. Sur le dragon, Marine Le Pen. Et elle criait Dracarys comme ça. Ça, c'est une vanne de Game of Thrones. Et, oui. Tu regardes Game of Thrones? Non, tu l'as pas. Il faut t'y mettre. Elle est bien, c'est cette série. Elle est un peu violente, tu vois. Mais Game of Thrones, ça se regarde. C'est comme Fort Boyard avec du cul. Franchement, ça se regarde tranquillement. Donc, toi, pendant que ta famille te cherche, toi, tu glisses dans le toboggan de la honte, comme ça. C'est une sorte de Center Park. Mais à la place de l'eau, c'est de la diarrhée, comme ça, qui met comme ça. Avec du verre pilé, t'en as partout. On dirait un magnum noisette, comme ça, ça colle. T'arrives. Dans une salle, t'es accueilli par les anges de la télé-réalité qui te prennent par la main comme ça. Chabit, putain, c'est qui va à la plage? Carte quadricolore, je suis têtu comme une moule, les oreilles ont des murs, je t'emmerde avec un grand A, tout ça là, tu vois ce truc là. Il t'attrape comme ça et il te ramène dans une petite salle où là t'attends au fond un gorille, tu vois. Mais c'est pas une façon de parler, c'est un vrai gorille. Genre King Kong, tu regardes, ses couilles sont dans tes yeux là, tu vois, t'es comme ça là. King Kong, il t'attrape comme ça, il prend ta tête, il met sur le bureau, il sort un tampon, il met sur ton front, trop con, inapte à voter, tu vois. Et après, pour aucune raison, il sort sa teub, et il te bifle, normal, tu sais. Non, mais tu ris, mais c'est pas des bifles sympas, c'est pas genre le soleil vient de se lever, il est temps de se faire bifler, c'est pas ça. Lui, c'est King Kong, sa teub, c'est un séquoia, tu vois le délire. Il te biffe, tu chies un plan de travail, tu vois ça. Donc il te biffe, tu rentres chez toi, t'es fracassé, ta femme t'a quitté, a laissé un message, je te quitte avec tes enfants, t'es trop con, tu perds ton travail, tu tombes dans la rue, la drogue, la dépression, et tu meurs. T'arrives au paradis, Dieu te voit arriver, il ferme les portes, t'es trop con.